Yo, en espérant que tu te portes bien. Et ben écoutez, moi ça va. Joyeuse fête d'Halloween. Je sais que ça ne fait peur à personne, mais bon, c'est un peu comme ça. Je vous reviens dans une vidéo qui sort un tout petit peu du commun pour parler d'Halloween, pour parler d'une histoire un peu sordide hein, en rapport toujours avec l'horreur carrément. L'horreur! Donc voilà, on se retrouve juste après l'intro. Bang, bang, bang! Comment se passe Halloween en Russie? Ben écoutez, c'est déjà aujourd'hui, hein, joyeuse fête à vous d'Halloween. Et ben écoutez, c'est une petite story time vite fait, hein. J'ai envie de dire, je vais vous relater un tout petit peu ce qui m'est arrivé, on va dire, hein, ces jours, hein, j'ai envie de dire, hein, d'Halloween, hein, tranquillement, parce que hein, c'est en fait le 31 octobre de chaque année. Mais bon, il y a dans certains cas, certaines personnes également fêtent, on va dire, cet événement un peu plus tard, au mois de novembre, tout dépend, hein, tout dépend d'une personne à une autre. Donc voilà, ici là pour moi, la première fois, ça a été un tout petit peu sordide au fait, hein, très sordide, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas, je m'attendais surtout pas à ce que certaines choses, on va dire, hein, qui en rapport avec la mort sont commémorées, une fête qui rappelle simplement l'horreur et tout ça là. En fait, c'était un tout petit peu bizarre pour moi. La première fois, c'était vraiment alors bizarre, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que je voyais les gens dans la rue, c'est maquillé, hein, c'est déguisé surtout, et qui plus est, hein, les enfants passaient de porte en porte pour demander des sucreries. Et ben, tout ce que vous voyez dans les films, ça s'est fait réellement ici en Russie. Pour moi, c'est fait un choc simplement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand ça tombait, soit un vendredi, soit un samedi, on s'est rendu dans un café, soit dans une boîte de nuit, et ben, ça arrivait assez souvent. Et la première fois, quand je me suis rendu carrément en boîte de nuit, j'ai vu des filles, des gars qui étaient maquillés avec des costumes également, hein, de certains personnages de films d'horreur que vous maîtrisez vachement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je ne vais pas faire une longue liste, mais bon, il y en a vraiment, alors vraiment beaucoup, quoi. Bon, c'est une fête qui est en rapport avec, avec l'horreur, avec la mort, avec tout ce qui a trait, hein, à la peur, simplement. Donc voilà, j'ai envie de dire, hein, pour moi, c'est fait une expérience hors du commun. Je ne savais pas à quel sens me vouer, en fait. Et le 31, c'est là m'a trouvé, hein, de l'année passée. C'est là m'a trouvé carrément dans une autre ville. J'étais dans une autre ville, j'étais à Moscou, en fait. Hein, pour vous dire vrai, j'étais à Moscou. Et ben, ce qui s'est passé, c'était quoi? Je suis arrivé, comme à l'accoutumée, quand je me rends à Moscou, je loue un appartement tranquille. Alors, le proprio, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour en question? Ils ont fait croire, on va dire, au voisin. Je ne sais pas si c'était le voisin ou le proprio, ça, je l'ignore carrément. Le voisin, soit le proprio, a demandé au voisin de me faire croire que la maison était hantée, en fait. Ce qui est un peu bizarre. Moi, je ne savais absolument rien. D'ailleurs, je m'en foutais carrément de cet événement. Je me disais, bon, c'est un truc de blanc, c'est un truc des occidentaux. Moi, je m'en bats le couille carrément. Quand il y a un truc, quand il y a un truc comme ça qui arrive et tout, et ben, quand il y a une personne qui frappe, soit je sens, il y a de bruit et tout, j'arrive carrément, j'ouvre, j'allume la lumière. Enfin, passez-moi la tautologie, hein. J'allume carrément, voilà quoi. Et puis, j'essaie de savoir ce qui ne va pas, je règle le problème une fois. Carrément, à l'africaine, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est aller beaucoup plus vite. J'ai loué un appartement pour 2 jours. Et ben, écoutez, tout allait bien. Quittant de l'heure à laquelle je me suis installé jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Je me suis posé dans la chambre et j'entendais le pas. J'entendais le pas de gens. Et, écoutez, dans une autre pièce en fait, puisqu'il n'y avait que 2 pièces. Il y avait la cuisine, il y avait une chambre, la salle de bain, enfin, le commodité, on va dire, toilette et tout. C'était un tout petit peu non loin de la chambre principale, je vais dire, de la chambre où j'étais, donc le séjour. Tranquille, quoi. J'entendais des pas, j'entendais des casseroles chez moi et tout, alors que je ne savais pas ce qui s'est passé. Je paniquais grave ces jours-là. Moi qui me disais, mais oh, cette fête n'a rien à voir avec voilà quoi, la vie normale. Je sais que c'est un truc monté de toutes pièces, simplement pour embellir cette journée. Mais je ne savais pas que ça atteignait, on va dire, hein, je ne savais pas que ça atteignait ces genres de proportions, en fait. J'entre dans la cuisine, j'allume la lumière, tranquille.
Eh ben, j'ai entendu une personne me dire, en russe, hein, qu'est-ce que tu fais ici? Merde, je suis retourné. Je suis retourné tranquillement dans les séjours. Je commençais à prier. Je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive carrément? Et en fait, je me suis dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Je dois m'habiller. Je me suis habillé rapidement. Il faisait très, très froid. Et il neigeait comme pas possible, d'ailleurs. Parce que l'année passée, la neige a débuté très tôt par rapport à cette année. Cette année, bon, il y a le verglas, j'ai envie de dire. Hein. Il y a le verglas, mais il n'y a pas encore une certaine tombée de neige jusqu'à présent, quoi. En fait, je suis sorti. Je suis allé dans un café tranquille. Je pris un pot. À mon retour, je me suis dit, non, moi, je suis un enfant des dieux. J'arrive tranquille. Je vais affronter ces trucs et tout. Quand je suis entré, je commençais à prier, à déclarer des trucs et tout. J'entre dans la cuisine tranquille. Et ce que je remarque, il n'y avait rien carrément parce que je suis revenu à 1 heure, pratiquement 1 heure. Une fois arrivé tranquillement dans la cuisine, en fait, je me répète, hein, une fois arrivé dans la cuisine, je me suis dit, il va falloir que je me fasse un truc tranquille, puisque j'avais acheté également quelques trucs et tout, prêt à manger, hein, je réchauffais dans le micro-ondes tranquille. Une fois je me suis servi, eh bien, je réalisais que c'était un microphone, hein, enfin, c'est le talkie-walkie, hein, j'ai envie de dire, placé à côté simplement du micro-ondes. Et c'est de là d'où venaient tous ces bruits-là. En fait, j'étais comme un ouf énervé et j'ai rigolé à la fois. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis bête, quoi. Et en fait, le lendemain, quand j'ai rendu les clés, le proprio m'a dit que c'était une blague. Eh ben, écoute, hein, mais il y a une chambre carrément, hein, dans l'immeuble qui est réellement hantée. Il n'y a personne qui vit là-bas et tout. Et ben, ce sont des choses qui arrivent ici, là. Mais bon, faut pas trop prêter attention. On voulait simplement te faire une blague et tout. J'ai dit, OK, la fois prochaine, vous me ferez une réduction. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était un tout petit peu mon histoire par rapport à ça. Par rapport à, on va dire, Halloween, tout simplement. Eh ben, écoutez, ici en Russie, hein, tout se passe excellemment bien, on va dire, hein, le jour de la fête. Hein. Il y en a beaucoup hein, qui se déguisent, qui mettent de masques, qui se tatouent également. Mais la seule chose que je vous demanderai à vous, c'est simplement la prudence, surtout la prudence. Parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent hein, pendant cette période, pendant ces jours, allais-je dire, pour essayer un tout petit peu de jeter l'air gourme un peu par-ci, par-là, surtout de personnes déjà occupées. Donc faites attention surtout à vous et ne vous laissez pas embarquer dans une sale histoire pour vous retrouver, on va dire, dans la même situation que notre regretté frère, on va dire, hein, de nationalité burundaise qui nous a quittés il y a de cela pratiquement 5 jours. Eh ben, écoutez, bonne fête d'Halloween à vous, en espérant que vous allez bien, en espérant que cette vidéo également arrivera à vous faire rigoler un tout petit peu. Eh ben, écoutez, moi, c'est Vimao et on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live carrément. Et je vous dis ciao.